Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Direction Vincennes pour le quintet du jeudi 19 janvier. C'est la R1C1, le prix Jean-Pierre Reynaldo. 16 chevaux de 5 ans vont prendre le départ aux alentours de 13h50. C'est une course d'atelier de 2700 mètres sur la grande piste. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater de toutes nos vidéos pronos, que ce soit en turf, en tennis avec l'Open d'Australie et des vidéos quotidiennes de Léo, en NBA mais aussi et surtout en foot avec notamment la Coupe de France ce week-end. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Alors c'est un parcours classique aujourd'hui avec uniquement des mâles au départ, un niveau relativement homogène avec des concurrents qui ont l'habitude de se croiser sur les pistes, méfiance malgré le fait qu'on puisse a priori s'appuyer sur quelques bases. C'est parti pour mon pronostic. Je démarre avec le numéro 16, Instructor. C'est le plus riche et la victoire n'a jamais été aussi proche cet hiver, pourquoi pas aujourd'hui. J'enchaîne avec le 11 Inshot Jocelyn qui a retrouvé un très bon niveau l'année dernière après son absence et sa castration. Il est donc à surveiller. J'enchaîne avec le numéro 10 Hippalio qui reste sur une très belle victoire sur ce tracé il y a une dizaine de jours. Et en forme, eh bien, le doublé n'est pas à exclure. Le numéro 6 Invictus Madric qui a été un petit peu décevant à Cagnes en tout dernier lieu, mais il revient aujourd'hui avec des ambitions légitimes pour la revanche, donc pourquoi pas une place. Le numéro 2, issu des loyaux, alors malgré ses fers, il pourrait bien se frayer un chemin pour les places, donc attention. Je complète ma combinaison du jour avec les numéros 15, 5 et 3. Pour jouer, vous pouvez profiter du très beau bonus sur PMU.fr jusqu'à 275 euros de e-freebet hippique offert. Premier dépôt doublé jusqu'à 200 euros et 75 euros à récupérer par la suite sur vos mises. Pour en profiter, le lien est dans la description. Partagez votre prono du jour dans les commentaires et nous, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao !